pour examiner le projet de loi bioéthique, mais cet examen sera court, bien trop court à mon goût. Après une deuxième lecture complexe au Sénat aujourd'hui, c'est un rejet simple qui nous attend. Le texte qui sera adopté définitivement prochainement comprend des avancées majeures et la déception de nos débats ne doit pas effacer la portée de ce texte. Il représente une victoire pour tant de familles, ces familles du XXIe siècle singulières et belles, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules, aux couples de femmes et aux couples non stériles le démontre. Donc, nous apprenons que la PMA sans géniteur, la PMA de gamètes anonymes et de fécondation in vitro est aussi bien ouverte aux couples hommes-femmes fertiles, ceux qui peuvent avoir des enfants naturellement. Eh bien, ils peuvent aussi bien aller demander une fécondation in vitro en choisissant des gamètes qui ne sont pas les leurs. Alors là, je dois dire que, un, je ne vois pas comment on peut continuer à dire que c'est une loi qui efface les pères, puisque les couples, dans les couples hommes-femmes, il y a un père. Il y a simplement plus de géniteurs, c'est ça qu'il faut dire, de procréateurs. Et il n'y en a tellement pas de géniteurs, c'est tellement remplacé par des gamètes anonymes, que les femmes seules et les femmes en couple, elles n'ont pas le droit de venir, comme les femmes avec un conjoint, avec un autre, avec une personne, un homme, qui serait le procréateur de l'enfant. Elles ne peuvent pas lui donner ni un procréateur, ni même un père, si elles décident de partager l'autorité parentale. Voilà le fondement de la loi. C'est le remplacement d'une fécondation naturelle et génétiquement protégée par une fécondation artificielle, hors corps, avec des gamètes qui sont triés, modifiés, et qui vont permettre de faire par fécondation in vitro des embryons surnuméraires qui eux-mêmes servent, d'après la loi, dans l'article 15 à 17, dans les articles 15 à 17, ces embryons servent de matériaux pour des recherches génétiques sur les modifications transgéniques, embryons transgéniques, et surtout embryons chimériques, où des cellules humaines sont intégrées dans des embryons animaux. Voilà, donc à l'avenir pour tous, nous ne récusons pas et nous ne disons pas qu'il n'y a pas de père et pas de mère, il n'y a pas de géniteur. Et aujourd'hui, ça c'est simplement proposé aux couples fertiles. Mais demain, il y a bien des risques que ça soit imposé à tout le monde. Sans compter que les hommes aujourd'hui sont exclus parce qu'il leur manque des utérus et qu'ils seront demain autorisés, soit loués, voire bien pire, soit ce sera pour tout le monde des utérus artificiels, puisqu'on est déjà dans la fécondation artificielle. À l'avenir pour tous, nous demandons à l'inverse, que soient rétablis les procréateurs amis pour les femmes seules et les femmes en couple, et que pour les couples fertiles, eh bien, ce soit la stérilité qui déclenche le recours aux fécondations, aux inséminations avec des gamètes anonymes, et le choix aussi d'un ami géniteur connu.